Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour l'exploration des grottes de l'au-delà. Donc ces grottes qui font suite à l'event de farm, bien sûr. Donc là, on est censé retrouver que la soie Lirigen. C'est vrai que ces grottes feraient une cachette parfaite pour des visions en cavale. Hé hé! Hé 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 hé! Des rires? Je n'aime pas ça. Reste sur tes gardes, la soie. Entendu, père. Qu'y a-t-il, la Swell? Oh, rien. Je me disais juste que cela faisait bien longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de me battre à tes côtés. Cela me rappelle quand nous étions allés à Palladia pour la première fois pour chercher Reyn. C'est vrai que maintenant que tu es roi, on n'a plus vraiment l'occasion d'aller où que ce soit ensemble. C'est vrai que ça rappelle le bon vieux temps. Sauf que maintenant... Non, rien. Avançons, il faut régler ce problème au plus vite. Après toi, père. Techniquement, ça devrait être Fina Obscur et Sol qu'on a retrouvé au fond, mais... Ben, non, le... Du coup, non, du coup, c'est con. les adversaires sont montrés de base, je suis bête. C'est quand même assez particulier, quoi. C'est censé être le duo Laswell et Regen qu'on prend, enfin, qu'on retrouve pour y aller. Et dans les partenaires mis à disposition, ça n'a rien à voir. Bon, après, ça reste raccord par rapport au fait que c'est la deuxième semaine de The Seven Event liée à la bannière, donc ben, forcément de. Reyn et Fina avec l'éveil de Fina Fina Obscur. Voilà, deux drapeaux de célébration encore une fois. 15 000. L'ultime arme PNK2, pari au combat, mademoiselle. Oh, tu peux parler? J'ai des fonctionnalités très avancées pour un vieux modèle. Intéressant, qui t'a fabriqué? Ta structure et ton processeur. Je veux tout savoir. Dis, je peux jeter tes circuits? Allez, je serai douce, c'est promis. Danger, danger, l'intégrité physique de PNK2 en danger, file en vite. Bon, dans les faits, je sais pas du coup si les combats ils sont programmés de base et obligatoires ou pas. Dans les faits, je dirais que oui, mais je suis pas certain de lui. C'est vraiment mon maître? Vous la connaissez depuis longtemps? Comment elle était quand elle était petite? Enfin, petite en âge, je veux dire. Enfin, vous comprenez.
Est-ce qu'elle a toujours aimé les sucreries? Est-ce qu'elle a toujours aimé les bonbons? À quel point est-il vous proche? Suffisamment pour qu'elle vous révèle certains de ses secrets? Tu aimes vraiment sa croix, n'est-ce pas? Et tu as trouvé une bien charmante disciple, ma chère Sakura. Sakura, mais ça... après ça remonte à tellement longtemps, possiblement cette chose que du coup, ben, on va clairement oublier quoi. Peut-être pas tout le monde, mais lui, par aventure. Moi perso, j'ai complètement zappé ce truc quoi. Vous êtes toujours ensemble et vous partagez un lien très profond. Oui, ce sont mes amis, ma famille, mais comme toi et ce cœur, si je me trompe pas, on se ressemble beaucoup en nous. Hey, ça t'aime bien, je t'aime bien aussi. Alors, quel autre duo on va voir cette fois-ci? Ah, une triplette même. Je suis Elena, dernière du cristal bleu. La lumière du jugement va s'abattre sur les ténèbres. C'est pas vrai, c'est Elena? La Elena de FF? C'était quoi? C'était quoi? Force fondamentale, voilà. Attention, on va se faire piéger. Je dois être en train de rêver. Pense-moi que je me réveille. Non, ne pèse surtout pas. Laisse-moi profiter de l'instant. Je comprends que trop bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle excitation. Pendant mes gardes au poste, il m'est arrivé de lire Force fondamentale. Et je suis complètement devenu accro. Maintenant, mon bureau est rempli de posters. Miss Elena, signez-moi un autographe après le combat, je vous en supplie. Attends, il tient en grande. Et moi alors? Dans ce cas, Miss Elena, est-ce que je peux vous serrer la main? Oh, du coup je me surprends quoi, je me suis souvenu de ce qui était derrière le... Et puni par les bruits. Et bien sûr, je continue. J'entends la clameur d'une foule de guerriers dehors. Ils ont soif de combat. Si je leur lève le cerveau en puisant dans cette émotion, ils deviendront mes fidèles soldats, m'obéissant au doigt et à l'œil. Si je le veux, ils attaqueront, ou même tueront n'importe qui sans hésitation. Oh oui, voilà qui devrait servir dans mes recherches sur le contrôle de l'esprit et la nécromancie. Cela devrait m'ouvrir tout un champ de possibilités. Hé Zoululu, ce type a l'air louche. Je suis sûr qu'il manigance quelque chose. Toujours aussi perspicace de Lulu. C'est vrai qu'il a l'air carrément suspect. Mais rien qu'à le regarder, mon cœur bat la chamade. Pourquoi donc? Tu es attiré par quelqu'un d'aussi louche? Tu sais, des Lulu. C'est peut-être bien ce que certains appellent l'amour. L'amour? Qu'est-ce que je devrais faire? Continuer à le fixer comme ça? Non, ça suffit pas de se contenter de le regarder. Tu dois passer à l'action. Alors on suit son plan? Oui, pourquoi pas. Je sais pas ce qu'il manigance, mais comme ça, ce sera d'autant plus facile de se déchaîner. Passez vite!
Zolulu et Dululu. Encore vous? Vous êtes vraiment irrécupérable. Lazarov, nous ne te laisserons pas perpétrer encore un autre de tes méfaits. Ma parole, vous voulez encore me mettre des bâtons dans les roues, c'est ça? Mais cette fois, ça ne se passera pas comme ça. Hé, vous deux! Occupez-vous d'eux! Zolulu, il vient de nous donner un ordre, là. Je crois bien de lui. Ah, cette façon de se faire traiter comme un larbin. Ça m'en rappelle des souvenirs. Il n'y a aucun droit de nous donner des ordres, mais bon. Si on peut se défouler, on va pas se faire piller. Ouais, en plus, c'est l'occasion de dérouiller ces types. Œil pour œil, dent pour dent, pas vrai? Exactement. Il est hors de question de laisser ces gens gâcher mes recherches. Occupez-vous d'eux sur le champ. Mais pour qui il se prend celui-là? Attends, Zolulu, tu as vu sa blouse blanche? Ça doit être quelqu'un d'important. Mais voilà, c'est vrai que les gens importants pensent pour la plupart des trucs pas nets. Du coup, ça veut dire qu'on est des gens importants. Tu es un génie. Ah, si seulement c'était aussi simple. Ah mais putain, j'ai oublié de changer.
barre. Oui, pas facile le combat, clairement. Donc 50 minutes en point de vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pas de faiblesse particulière. Ok. D'accord, ils vont plus rien. Ah mais c'est ma finale, stop. Ah zut. Ok. Normalement, là j'ai mis une chaîne. Okay.
marche, attends, je vais t'assigner. Bon, du coup, j'ai pas pu scan le truc de là, mais je pense que la teneur, ça doit être pareil que la Zaroth. Vous avez remporté le combat. Donc dans l'idée, oui, si vous n'avez pas une compo adéquate pour passer ce combat, ça va être compliqué. C'était prévu, hein, les différents combats qu'on a eu le long du parcours. Effectivement, c'était des combats scriptés, donc voilà, pas d'inquiétude à avoir. Malheureusement, j'ai rien de plus à vous raconter sur ces derniers. Si ce n'est qu'il y a un fou furieux qui a réussi à faire tout ça, a priori, avec juste la version NeoVision de Sol. Bon, sûrement, il doit avoir assez de choses qui permettent de refaire des choses, hein, mais bon. Finissons-en! Sérénité! Yeah. Arc, bon sang, mes plans ont encore été. On dirait qu'il s'est évanoui. Ligotons-les et ramenons-les vite au château. Je demanderai aux autres visions qui se trouvent au château de garder un œil sur eux. Franchement, même ici, ils pensent encore à réaliser leur plan maléfique. C'est impardonnable. Père ? Quelque chose ne va pas ? Eh bien, j'allais dire ça tout à l'heure à l'entrée, mais... Cet endroit ressemble peut-être au Palladia que j'ai connu lors de ma première visite. Mais les choses ont bel et bien changé. Laswell, tu as surmonté bien des épreuves pour devenir roi de S. C'est à toi de prendre les rênes et à moi de te suivre maintenant. C'est un peu triste, mais voir son fils devenir un homme noble et digne de confiance, c'est aussi ça le bonheur d'être père. Mère, merci beaucoup. Mais rentrons au château maintenant. Nous devons informer le roi Mog de ce qui vient de se passer. Oui, allons-y. Le ligotage de tous les petits mondes, non ? Tout va bien. Du coup, c'est là-dessus que je vous laisse. Du coup, peut-être encore la suite de tout ça dans un event à venir. C'est possible. On verra bien. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.